Quoi? D'accord. Excusez-moi, hein, j'étais en conversation avec mon petit doigt qui me disait, faudrait peut-être parler de Federer là. Bah oui, vous savez, avant qu'il soit trop tard. Bah quoi? 5-7 contre Tiafoe? 5-7 contre Yuzny? Ça commence à faire beaucoup là, non? Pensez pas? 17 en deux matchs? Jamais dans sa carrière, Roger Federer n'a attaqué un grand chelem par deux matchs en 5-7. Jamais. Pire! Lorsqu'il a fait 5-7 au premier tour, Roger Federer n'a jamais dépassé le troisième tour dans un grand chelem. Sauf une fois à Wimbledon, où il fait quart de finale en 2010. Mais pas plus loin. Tiens, tiens, troisième tour. Ça vous dit quelque chose? Eh ouais, on y est. On est au troisième tour. Et contre qui, ce troisième tour? Hein? Contre qui? Félicien Lopez. Ah ouais, ça, c'est pas un cadeau. 35 ans, hein, un an de moins que Federer. Mais vraiment pas un cadeau. Le Félicien, il va lui faire du service volé de gaucher. Il va l'enquiquiner. L'enquiquiner. Voilà, j'aime bien ce mot. Bon, sur les 12 fois où ils se sont joués, Federer a gagné. Alors, la première fois, deuxième. Ouais, les 12 fois. D'ailleurs, il a perdu que 3-7. Enfin, mais quand même, vous ne sentez pas là? Vous sentez pas hein, le petit traquenard là? Vous ne sentez pas? Les sites de Paris non plus, hein, le sentent pas. Hein. Roger est à 1,07 pour gagner et Félix est 5,25. Moi je vous le dis, c'est la grosse cote, Félicien Lopez. Mais ce match pour Federer, c'est le vrai test. Si ça passe, il va en demi. Si ça casse, il va à la maison.